Choisis la vie. La douceur. Au fond de mon cœur, il y a une douceur infinie. Au fond de toi et au fond de moi, il y a un petit agneau, une petite brebis toute vulnérable. C'est important que j'ai vu mes carapaces, ma couche de glace, mes duretés, et que j'ai pu sortir mes colères, mes culpabilités, toutes mes poubelles dans les lieux prévus pour cela. Si je suis réconciliée avec mon psychisme, je trouverai au fond de moi la délicatesse et la bienveillance qui m'habitent. Cette douceur me donne un regard différent pour mon frère, quoi qu'il m'ait fait, quoi que je lui reproche. Il y a une onction entre nous. J'apprends à sentir, à percevoir l'autre au-delà des apparences, au-delà de mes projections, de mes résistances, de mes réactions à fleur de peau et de la souffrance venue de mes blessures. Je partage aujourd'hui avec toute personne la douceur de l'amour de Dieu. Jésus nous dit bien, je suis doux et humble de cœur. Et je me réjouis au cours de cette journée à la pensée de rencontrer toute personne, ou peut-être ce frère ou cette sœur qui m'a profondément blessée, cet ami, tous ceux que je vais rencontrer au cours de mes trajets, à pied, en voiture, quel que soit le lieu où je vais. Et je me réjouis aussi de tous ceux que je vais rencontrer et qui me montreront ou m'apporteront la douceur de Dieu. Car c'est une grâce de Dieu, la douceur. Elle est simplement enfouie au fond de notre cœur. Et par grâce de Dieu, oui, nous la possédons. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais réveiller en lui ou en elle cette douceur. Ou lui ou elle va réveiller la douceur qui est au fond de mon cœur, cachée, enterrée. Peut-être que j'ai monté un mur de briques autour de mon cœur parce que j'ai tellement peur de me faire avoir. Mais la douceur est un cadeau de Dieu. La douceur permet de maîtriser toute colère. Il y a bien un docteur de l'Église qui aujourd'hui est ce docteur de l'amour qui s'appelle Saint François de Sales. À la fin de sa vie, on disait qu'il n'y avait pas d'homme plus doux. À
alors que pendant sa vie, il a dit qu'il était un homme extrêmement colérique. Et par grâce, par effort, en se laissant transformer petit à petit, son cœur est devenu doux, il est devenu humble. Cette douceur, je peux la vivre partout, mais surtout avec ceux qui sont les plus proches de moi. À quoi sert d'être doux si je ne le suis pas avec ceux qui me sont proches au quotidien? Oui, la douceur est pour toute notre vie. Elle est un cadeau du ciel. Rendez grâce à Dieu si vous la possédez déjà en plénitude. Et pour tous ceux qui ne la possèdent pas, courage, persévérance, qui demande, obtient, demandez, vous recevrez.